1969. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Des ruisseaux paresseux charrient le disque du soleil jusqu'à la mer et des échassiers s'en envolent avec une grâce inattendue, comme s'ils n'étaient pas faits pour rejoindre les airs, dans le vacarme d'un millier d'oies des neiges. Puis, à l'intérieur du marais, çà et là, de vrais marécages se forment dans les tourbières peu profondes, enfouis dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose, elle se putréfie et elle redevient humus. Une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. Le matin du 30 octobre 1969, le corps de Chase Andrew fut retrouvé dans le marécage qui, sans surprise, l'aurait englouti en silence, le faisant disparaître à tout jamais. Un marécage n'ignore rien de la mort et ne la considère pas nécessairement comme une tragédie, en tout cas pas comme un péché. Mais ce matin-là, deux garçons de la petite ville pédalèrent jusqu'à la vieille tour de guet et, en arrivant au troisième palier, repérèrent en contrebas son blouson en jean. Lu par Jean-Christophe Lebert.